même si j'ai conscience que ça peut choquer des gens, oui, quoi. Ça peut choquer, voilà, ça peut choquer des gens, quoi. Mais en même temps, la réalité de quand on voit des gens allongés sur une plage, c'est aussi comme ça, enfin, que c'est, quoi. J'ai quand même restitué quelque chose de qui me paraît pas si éloigné de la réalité, quoi. Pour les scènes de sexe plus hard, est-ce que ça a été difficile à mettre en place? Alors. C'est, non, ce qu'il y a de difficile, c'est, enfin, c'est pas difficile sur le moment du tournage, et c'est pas difficile parce que c'est des choses dont on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de ces séquences-là, on les a beaucoup répétées, on a mis au point des chorégraphies. On est en confiance avec les comédiens parce que ils savent ce que j'attends d'eux, je sais jusqu'où je peux aller avec eux, et je sais où je dois m'arrêter. On s'est tellement mis au clair précédemment que finalement moi je trouve que sur le tournage ça, c'est des séquences qui roulent, quoi, toujours. Et là où ça n'a pas roulé dans ma vie, où ça a été compliqué à faire dans des films précédents et des trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus dans la mécanique, c'est parce que j'en avais pas assez parlé avec les comédiens, quoi. Voilà. Mais, vous nous offrez chaque fois un cinéma différent et on prend plaisir parce qu'en même temps vous avez un vrai regard de cinéaste. Ça c'est quand même quelque chose. Vos influences viennent d'où? Est-ce que vous pensez avoir des influences ou... Oui, ouais, je pense que même je suis une vraie éponge à influence, oui. Après, après les influences, c'est ben, faut les digérer, quoi, de manière à ce qu'elles ressortent d'une façon, ben, de manière à ce qu'elles se mixent aussi avec, qu'elles se mélangent avec ce qu'on est réellement, quoi, ce qu'on est soi-même, enfin avec ce qu'on a envie de faire soi-même. Mais non, elles sont vraiment très très multiples. Elles ne sont pas que cinématographiques. Hein. Moi, j'aime beaucoup parler de Buñuel, de Renoir. J'aime beaucoup parler aussi de plus près de nous, de Nanni Moretti et de Almodovar, quoi, qui moi ont été, ouais, je pense, ont vraiment vraiment compté dans ma vie cinématographique. Et mais j'avais quelqu'un d'autre qui m'était venu en tête. Et quelqu'un que je cite très peu, mais qui est très important pour moi, et je ne sais pas pourquoi je l'oublie toujours, mais c'est évident, c'est Eric Rohmer, quoi. Voilà. Et puis plus près de nous, alors voilà, je pense que je me sens vraiment en dialogue avec des mecs comme Dumont ou les frères Larrieux, quoi. Voilà. Et après, je vous passe Tintin, Gottlieb, Pif Gadget, là, les Astérix, les trucs qui viennent vraiment de très loin, quoi. Alors, ça va être la dernière question. Vous allez devoir aller présenter votre film. Cette dernière question, c'est le lac. Le lac, c'était quand même l'élément essentiel du film. Est-ce que c'était un lieu qui était facile à trouver? Et est-ce qu'ici, en région PACA, c'était justement pour vous un atout de tourner ici? Ah ben oui, c'est un atout climatique, puis c'est un atout parce que le lac est super beau, quoi. Voilà, oui, je pense que vous êtes la région la plus ensoleillée de France, peut-être d'Europe, j'en sais rien, quoi. Bon, alors après, oui, voilà, non, on n'a pas non plus été... non, on a eu des intempéries quand même, hein. Mais... Et puis le lac est super beau, quoi. Voilà, après, c'est vrai que la Provence n'est pas une région franchement de lacs, il n'y en a pas tant que ça, mais bon, il y a au moins celui-là, quoi, voilà, qui était parfait, quoi. Mais en tout cas, le lieu où vous avez tourné, vous nous avez dit que le maire du coin, alors je ne sais pas si on veut le dévoiler ou pas, que le maire du coin vous avait dit que ça ressemblait à certains lieux que vous connaissez. Qu'il y avait déjà un lieu de drague sur le bord du lac, mais ça, je m'en doutais qu'il y avait forcément un lieu de drague. Enfin, je veux dire, un lac comme ça aussi grand, enfin, ouais, les lacs, il y a toujours ce genre de truc. Enfin, il y a encore, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais encore ça. Est-ce que pour vous pensez que c'est une chose, ces lieux de drague, est quelque chose d'essentiel pour une communauté? Pour nous, ouais, c'est essentiel, ouais. Ouais, ouais. Oui, même moi, je déplore que tous ces lieux de drague sauvages, qui étaient quand même des espaces très démocratiques pour moi, dans le sens où tout le monde y arrive et tout le monde y a sa place, et qu'il y reste tout le mois ou qu'il y reste 2 heures, quoi. Ça permet de se... Oui, ça permet la rencontre. De toute façon, si ça se fait, c'est que ben, c'est forcément essentiel, quoi. Après, oui, voilà, je pense que maintenant, Internet, ouais, on constate qu'Internet a vachement changé la donne. Et puis même, hein, je vois, c'est aussi tranquillement réprimé aussi, quoi, voilà, par une présence policière ou de la gendarmerie, quoi, voilà. Donc, et dans le même temps, les lieux, les bars,
bars et les clubs échangistes fleurissent à n'en plus pouvoir, quoi. Donc oui. Et puis je pense quand même au bord des lacs, ça c'est pas près de s'éteindre, quoi, je pense. En tout cas, nous on vous remercie pour ce bon film, parce que en même temps c'est la diversité du cinéma que vous nous proposez et puis un autre regard. Alors c'est pour ça que vous avez été sélectionné à un certain regard. Oui, ça, ouais, je oui, ouais. Oui. En même temps, je pense qu'en tant que cinéaste, c'est bien le moins qu'on puisse faire quand même. C'est un peu d'offrir un regard singulier sur le monde, quoi. Voilà. En tout cas, nous on vous encourage à continuer. Merci beaucoup. Merci.